Bon matin, bon samedi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme ce matin. J'ai bien dormi. Normal. Est-ce que je me sens fatiguée ce matin? Oui, mais est-ce que je suis tout le temps fatiguée? Point d'interrogation. Oui. Ce matin, je travaillais un petit peu, mais tu sais, il faut que j'écrive comme des paroles d'une toune. Fait que j'ai pas l'impression vraiment de travailler. J'essaie de trouver un petit beat, j'essaie de trouver des paroles qui flow. Ah, j'ai pas rangé ma canette de bière hier. Est-ce que j'ai ouvert une bière puis que j'ai rien fait avec? Anyways. Alors, c'est ça, hier, j'ai fini le Hunger Games 2. Ça doit faire 15 fois que je l'écoute. Là, je faisais juste m'assurer que tous mes vlogs étaient corrects. Là. Ça s'est publié, là, mon vlog d'hier. J'ai répondu à quelqu'un pour un petit projet que je fais pour le Salon du Livre. Ça va être le fun. Les gens qui vont venir me voir au Salon du Livre puis qui vont faire signer leur livre de recettes, ils vont avoir un petit... comment qu'on appelle ça? Un petit goodies? Une petite gratuité, un petit cadeau en lien avec mon livre, finalement. J'ai engagé mon ami qui a fait quelque chose pour moi, mais tu sais, je veux pas trop dire, là, c'est une surprise encore, là. On est en train de regarder les idées qu'elle avait. Je bois mon eau aussi en même temps. Là, matin, je me suis levé puis j'étais comme, OK, il me reste une section de feuilles à ramasser dehors. Une grosse section de feuilles. Mes tablettes à poser. Tu sais, j'aurais aimé ça, poser les tablettes une journée qui pleut, mettons. Comme ça, je me sens moins mal de faire des petits travaux à l'intérieur. Mais ça va pas arriver avant mardi. Le 30 octobre, quand mon livre sort, il va faire 17 degrés Celsius. Le 30 octobre. Et le 31 octobre, il va faire 18. C'est assez spectaculaire. Je me rappelle d'une époque où il neigeait à l'Halloween. Je pense que c'est l'année passée qu'il a neigé à l'Halloween. Ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle vraiment quand j'étais jeune, à un moment donné, il y avait eu de la grêle, puis il y avait eu vraiment une température. Il faisait frais, on gelait. Tu sais, c'est vraiment entre les deux saisons, l'Halloween, là. Fait que la température est tout le temps un peu... est tout le temps différente. Fait que je vais juste travailler un petit peu là-dessus. Tu sais, il est 8 heures, ça va être relax. Mais aujourd'hui, là, je vais vraiment... J'ai déjà ma vidéo TikTok de préparer depuis comme 2 jours que je vais publier ce soir. Puis ça va être ma seule vidéo de la journée. Là, il faut vraiment que je me calme. Je vais rien faire d'autre. À part mon petit script parce que je veux comme m'en débarrasser. Essayer de ne pas trop focusser sur les réseaux sociaux. Mais c'est extrêmement difficile pour moi. Tu sais, je peux faire 2-3 stories sur Instagram, mettons si j'ai quelque chose de le fun à partager, mais c'est pas une nécessité. Fait que c'est pour ça que tu sais, je vais peut-être aller dehors faire les feuilles tantôt, poser les tablettes, mais tu sais, j'ai aussi le chien à gérer, j'ai aussi moi à me nourrir. Tu sais, quand t'es tout seul, faut comme que tu fasses tout en même temps, mais rien en même temps. C'est pour ça que j'aurais aimé ça que Jeff soit là, mais il est pas là, il est malade. Mais là, je pense qu'il va un peu mieux quand même. Je suis tellement fière de moi. J'ai fait, dans le fond, j'ai écrit les paroles. Ça va être une chanson, je me rappelle plus si je vous l'ai dit. Pour une prochaine vidéo là, qui va sortir plus tard en novembre. Ça va être une chanson, puis j'ai écrit les paroles. Évidemment, le client doit approuver. Mais je suis bien content. J'espère vraiment que ça va être ça, parce que ça va être drôle. J'ai comme pensé à qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo. Des niaiseries, évidemment. Je pense que je me mets un petit film d'automne, parce que là, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais juste faire ça en termes de travail. Mais là, après ça, je vous avertis, c'est terminé. Je ne fais plus rien. Wow. Well, the dance oh yeah, here is the food. Oh my god, j'adore. Je pense que ce que j'aime le plus de ces films-là, c'est que genre... Là, c'est comme des films, mettons, dans le thème de l'automne. Puis chaque plan de caméra, il y a des feuilles d'automne. C'est pas des jokes, là. Tu vas voir, il y a des feuilles d'automne. Il y a des feuilles d'automne. Il y a des feuilles d'automne. Des feuilles d'automne. Qui met autant de feuilles d'automne? Puis tu sais, c'est pas là, c'est parce que je vous ai pas montré, là, mais il y avait comme un magasin général. Puis tu sais, les poteaux, il y avait des feuilles en tout. Tu sais, ils veulent que chaque plan soit vraiment... Gaga, il y a des feuilles partout, partout, partout. Tu sais, personne, tu sais... C'est exagéré. Mais moi, j'aime ça, ça me réconforte. Moi, c'est pour ça que j'ai mis des feuilles d'automne partout dans ma maison. Ben là, il y en a pas vraiment, là, mais... C'est à cause de ces films-là. Des feuilles d'automne. Il y a des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. Ou, tu sais, mettons qu'il y a des citrouilles, il y a des citrouilles, des citrouilles, des citrouilles, des citrouilles. Ou elle va avoir un rental increase de son general store. Puis là, le gars qui est venu acheter des affaires de la ville, il va sûrement comme l'aider parce qu'il doit être dans les affaires. Puis là, ils vont fall in love. Oh! Là, elle est ailleurs, elle est dans un bureau, je pense.
Il y a des couronnes en background pis tout. Chaque plan, il y a du orange. Tu sais, je dis ça pis... On dirait un party des Sims! Ils sont comme dans le Central Town des Sims! C'est malade! C'est vraiment le Country Fair! J'aime ça. Gaga! Là, c'est parce que mon nouveau but de vie, c'est d'être dans un film comme ça. Là. Je veux jouer dans un film comme ça. Pas être un personnage principal. Je suis pas un acteur professionnel. Mais danser en background avec des feuilles d'automne entourées autour du cou, c'est faisable. Tu sais, le casting de ça doit en plus être tellement chipette parce que ils ont pas de budget, là. Je me demande si les gens qui sont là en background sont payés pour être là. Je dis ça, j'ai pas de connaissances là-dedans. Oh, c'est... Ok, faut là, je suis en train de me faire un bagel witch avec de la ciboulette Philadelphia. C'est mon préféré. Tu sais, il y a le Philadelphia normal, que c'est vraiment bon, mais tu sais, dans les petits mélanges comme ça, funky, moi, c'est ciboulette. It's so good! Gars, est dans une classe, puis il y a les mêmes feuilles que dans la maison. Ils ont réutilisé les mêmes props du Dollarama. C'est malade! C'est parce que là, l'équipe qui s'occupe des props dans ces films-là doivent... délirés, ils doivent trouver ça malade. Ils doivent coller des feuilles partout sur le movie set. Allez. Je te dirais que beaucoup des arbres là, ont pas mal perdu leurs feuilles à 95%. Il reste quelques arbres encore avec des feuilles, comme par exemple celui-ci. Puis il reste des feuilles vertes dedans. Mais sinon les autres, là, sont pas mal toutes vides. Checkez-moi ça. Je vais fermer la porte. J'ai posé les tablettes. J'ai laissé un plus grand espace en dessous pour soit mettre la valise ou peu importe là, des plus gros objets. Puis là, ces deux espaces-là sont plus grands. C'est pas égal, hein, j'ai mis ça à l'œil, là. Mais je sais que ces deux espaces-là sont vraiment plus grands pour mettre soit des plus grosses boîtes ou peu importe. Puis ça, c'est un petit peu plus serré entre les deux. Puis à la fin, j'ai un espace comme ça. Je suis bien content, là, je passe l'aspirateur. Celle-là est un petit peu trop courte, la tablette, là. Soit on a mal calculé. Je sais pas ce qui est arrivé avec celle-là, mais j'ai d'autres bois là, que je vais pouvoir utiliser à un moment donné. Mais honnêtement, je suis un petit peu tanné là, de faire ça. Je veux pas, tu sais, prendre trop de temps là. Je veux que ça l'enchaîne. Fait que je vais ramasser, passer l'aspirateur, je vais nourrir le chien parce que je pense qu'il est rendu midi. Puis je vais essayer de... Ben, je vais faire du rangement. Je suis comme excité, on dirait, de faire du rangement. Je vais faire ça tantôt là. Alors là, il est 5 heures. J'ai vraiment pas mal tout closé ici là. J'ai fait le ménage, j'ai ramassé, j'ai barré... nettoyer, tu sais, en général, là, dans la maison, fait que le chien est en train de manger, je pense qu'on va aller prendre une petite marche, puis je vais tout juste ramasser mes choses, puis peut-être je vais partir ce soir. Je me sens comme prêt, là, à enchaîner, puis à retourner à Montréal. Je veux pas, tu sais, revenir demain soir, parce que ça va être trop tard. Puis on dirait que depuis que j'ai comme tout nettoyé, je suis comme bon, ben... Fait que je suis encore en décision, là. Peut-être demain matin très tôt, mais on dirait que je serais prête, là. Je réfléchis à ça. Là, je suis à Montréal. Il est rendu 8h30, mais là, Jeff est encore beaucoup plus malade que je pensais qu'il était. D'habitude, il est jamais malade. Il est malade une demi-journée, puis il est en pleine forme le lendemain. Il est jamais malade. Là, il tousse, il se mouche. Non. Ça, c'est, là, pourquoi que je capote présentement, c'est que j'ai mon lancement de livre le 30. Il y a un petit événement en personne. Là, on dirait que j'ai mal à la gorge. Je sais que ça, c'est juste parce que je panique, là. Je vais repacter mes choses et je vais repartir au chalet avec le chien. Je peux pas être malade cette journée-là. Je peux pas être malade cette semaine. Il est malade depuis mardi. Tu sais, je sais pas à quel point il est encore comme contagieux. Je sais pas, je connais pas ça. Puis je veux pas prendre de chance. Ça me tente fuck all de reprendre la route. Tu sais, c'est pas à 15 minutes, là. Mais je veux même pas dormir ici. Là, j'ai changé les draps du lit. Toutes les draps que j'ai lavés au chalet, je les ai toutes amenées ici. Fait que là, j'ai tout changé le lit, mais finalement, j'étais en train d'éditer le vlog, puis je me suis mis comme à achoumer. Ça focus pas sur ma face, hein, je suis désolé. Excusez, c'était pas en tout focusé sur ma face. Pourtant, y a-tu un mode de pas activer? Ah, je pense que c'est à off.
Oh non, autofocus on. Anyways, j'étais en train d'éditer le vlog, puis on dirait que je me suis mis comme à tchoumer puis tout. Là, j'ai fait, non, je m'en vais. Fait que là, je vais comme repacter ma valise, mais vraiment en mode, je vais pas tout amener plein d'affaires. La bouffe, là, je vais la laisser ici, là. Je vais m'arranger au chalet, j'irai à l'épicerie demain. J'aimerais juste te montrer, j'ai fait des petites cartes postales. C'est chipette, là, tu sais, mettons, j'ai fait ça vraiment à chipette sur Vistaprint. Mais elles sont quand même de qualité, là. Tu sais, parce que le design, il est beau, là. Ce que Pratico a fait, c'est de qualité. Fait que c'est sûr que c'est de qualité. Voyez-vous? Fait que je vais donner des petites cartes postales au monde. De retour au chalet. J'ai fait un aller-retour à Montréal, moi, vierge. C'est parce que Jeff toussait, il se mouchait, sa voix rauque, j'étais comme... Je me suis mis un masque, j'ai fait, je rempaque mes affaires et je crisse mon camp. Je te jure, j'ai fait, I gotta go. Normalement, ça me dérange pas, tu sais, je veux dire, je serais tombé malade, puis au pire, je suis fatigué, puis je me repose. Mais c'est que là, je le répète, j'ai un événement avec des gens, famille, amis. Je peux pas être malade. Moi, je remets pas ça à dans une semaine, là. Non. Fait que là, je vais faire un feu au chalet. J'ai le montage vidéo à faire du vlog d'hier. J'ai pacté ma valise, mais je suis sûr que j'ai oublié de quoi. Mon ordi est là, je le sais, là. Ah, d'accord. Le chien, c'est closé ben raide. D'après moi, il est à bout, lui-là, là. Tu sais, il dort dans l'auto, là. Il se couche, puis il se close, puis il dort. Mais genre, arrivé à Montréal, Jeff, il est allé prendre une marche avec jusqu'au t'sais, au dépanneur, là. Il a fait son petit trajet habituel. Moi, je le repogne. Le chien doit être genre, what the fuck? Tantôt, j'ai coupé ces petits morceaux de bois-là, là, et j'avais une... Il me restait comme une planche des tablettes que j'ai coupé avec mon père, là. Puis là, j'ai comme chopé ça. Ça me fait penser un peu à des claves. On s'entend que c'est pas ça pantoute des claves, là. C'est fait en rond, là. C'est fait en cylindre, je devrais dire. Au primaire, j'aimais tellement les cours de musique. Tu sais, la prof, elle sortait toujours un instrument différent à chaque semaine. Ou presque, là, j'exagère un peu. J'aimais ça. Moi, mon préféré, c'est quand elle sortait les xylophones. Il y avait les petits xylophones, puis il y avait les xylophones basses, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. Là. Mais les xylophones plus gros, ça a un autre nom, là, c'est sûr. J'aimais tellement ça. Puis je me rappelle, mettons, on était assis comme en U, mettons. Puis les xylophones étaient comme sur le bord de la fenêtre. Collé sur la fenêtre, il y avait comme un meuble, mettons, de rangement tout le long de la fenêtre. Tu sais, c'était comme un grand mur placardé de fenêtre, mettons, l'école. Ben, tu sais, comme la plupart des écoles, on s'entend, là. Les xylophones étaient comme tout stand-by en arrière. Mais fait que nous, on était comme assis devant la prof. Puis, tu sais, on voyait les xylophones. Moi, j'avais hâte à chaque fois d'y prendre. Mais, tu sais, c'était pas à toutes les cours qu'on les prenait, les xylophones, là. Moi, j'attendais le moment qu'elle disait « OK, vous pouvez vous prendre un xylophone. » Oh! Christine, c'était l'amie de ma mère, parce que ma mère, sa classe, ma mère était orthopédagogue. Elle était parce qu'elle est maintenant à la retraite, bien entendu, puis sa classe était juste devant celle de Christine. Fait que moi, je le sais que mourir prend juste un R parce qu'on meurt juste une fois dans la vie, et que nourrir prend deux R parce qu'on se nourrit plusieurs fois dans une vie. Tu sais, c'est le genre de truc que ma mère m'a appris. Parce qu'un orthopédagogue va aider les enfants en difficulté d'apprentissage. Je n'étais pas classée comme un enfant en difficulté d'apprentissage, mais dès que ma mère voyait que j'avais des petites affaires, que j'avais de la misère, elle avait ses trucs. Regarde. Ben voyons. Ça, c'est comme ça. Fait que là, je vais mettre mes petits cubes, mais plus tard. Ça, c'est de l'épinette. Ça sent très bon. Ça sent bon, hein? Tu sais, ça sent comme vraiment pas pareil comme ça, mettons. Ça? Regarde, ça sent rien. Ah non, ça sent bon. Hey, j'espère que je vais pas être... Je vais vraiment pas être de bonne humeur hein, si je suis malade. Mais honnêtement, c'est correct, là. Tu sais, je suis rentré, j'ai gardé mes distances, j'étais de même. Genre... J'avais vraiment des throwbacks de 2020, 2021, 2022, là. J'étais vraiment en mode throwback. J'étais à bout. Là, j'ai écouté au moins une quinzaine de fois la nouvelle tune de Lady Gaga. Je l'aime. Oh! Il était temps qu'elle fasse des tunes pop. J'étais plus capable de ses affaires jazz. J'adore Lady Gaga. Elle est très bonne avec sa musique jazz. Elle exploite beaucoup ce talent-là, mais ça m'attire pas plus que ça. Tu comprends? Puis je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je dis que ça ne m'attire pas. Et là, elle revient avec des tunes pop. Oh! Tu sais, Chromatica, c'est très 2020. C'était excellent. Chromatica, c'était très bon. C'était exactement ce que j'avais besoin quand ça a sorti. Mais là, moi, je suis prête à passer à la prochaine étape. C'est-à-dire Disease. Oh!
Je vais sentir mon bois. On peut dire que j'ai veillé tard à soir parce que là, il est rendu 11h. Je vais mettre ça de même. 11h12. Le vlog est uploadé, tout est beau. Là. J'ai remis une bûche dans le poêle à bois, mais c'est la dernière. Ça l'a chauffé pendant une heure. Fait que, ça l'a réchauffé un peu la pièce, mais pas tant que ça. Là. C'est correct, c'est pas grave. Là. Je t'avoue que je suis pas au courant de la météo de demain. Ah, il fait ressenti moins 2 où est-ce que je suis présentement. Cette nuit, moins 3. Demain matin, moins 3. Ressenti moins 7. Mais c'est problématique. On dirait que je suis extrêmement excitée par cette information. Il y a du monde qui passe l'Halloween aujourd'hui. C'est tellement weird. Il y avait du monde... Quand je suis arrivé à Montréal, il y avait du monde de déguisé. Puis ça m'a pris un bon, comme, 2-3 minutes pour réaliser que c'était comme le week-end avant l'Halloween, fait que les gens font leur party d'Halloween en fin de semaine. J'étais comme... Genre, moi, je suis ailleurs, là, présentement, là. Tu sais, moi, il y aura clairement pas d'Halloween cette année à cause... On sait tous à cause de quoi qui se passe le 30. Puis le lendemain, je vais juste être complètement brûlé. Je vais être rip. Le lendemain, je vais... Je serai pas en fonction. Le vlog du 31 que vous allez voir le premier ou le 2, je sais plus, ça va être un vlog très de base. Au pire, je ferai comme un genre de récapitulatif de ma soirée, parce que c'est sûr que la veille, dans le fond, le 30 octobre, c'est sûr que je vais pas filmer parce que je vais être ben trop dans le brouhaha des gens qui vont être comme, qui vont être là, qui vont vouloir me parler, qui vont vouloir acheter un livre, tu sais, pour le lancement. Mais j'ai engagé mon ami, comme je te disais, je pense, pour qu'il puisse filmer toute la soirée, faire une vidéo, mettons, sur TikTok, de highlights de la soirée. Fait que je vais aller me coucher. Et voilà, demain c'est dimanche, ça va être extrêmement zen, je n'ai aucun travail à faire. Je vais quand même devoir publier, je vais quand même devoir filmer une vidéo, mais c'est juste une vidéo, genre, pour mes trucs personnels, là. C'est pas pour comme... des clients, whatever, là. C'est juste pour que j'annonce un autre concours. Puis celui-là, il va être très excitant. Puis je dois le publier le soir, parce que ça va enchaîner, là. Fait que, merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se revoit dès demain. Bye!